Call of Duty Modern Warfare 3 est sorti samedi. Non, on l'a refait. Call of Duty Modern Warfare 3 est sorti aujourd'hui pour le plus grand plaisir des fans de FPS. Hier soir, pour tous ceux qui voulaient le jeu avant tout le monde, avaient lieu deux soirées pour honorer la sortie d'un des plus gros blockbusters de l'année. La première au palais de Chaillot a vu défiler acteurs, sportifs, animateurs, chanteurs, qui, il faut le dire, savaient très bien pourquoi ils étaient là. Ce soir, c'est la soirée de Call of Duty. Je suis un grand fan de ce jeu-là, j'ai pas testé encore le nouveau. J'ai pas pu, mais là, je suis vraiment impatient d'être là. C'est pour ça que je suis venu aussi d'un côté pour pouvoir tester le jeu. Nous avons donc demandé à ces gamers ce qu'ils attendaient de Call of Duty Modern Warfare 3. J'attends pas spécialement, je sais que c'est un jeu qui me plaît déjà d'office, donc voilà. Alors, j'aime bien Mason, hein, il est canon, beau mec et tout. Et votre niveau sur le jeu, ça donne quoi? Bah, je suis pas le meilleur, on va dire, mais j'essaie de faire ce que je peux en tout cas, mais il y en a plus fort que moi, c'est sûr. Ouais. Je suis nul. Moi, je suis l'armée du Luxembourg, moi. J'ai pas joué depuis Pac-Man, j'ai fait aucun jeu. Le premier jeu vidéo que j'avais, moi, c'était le Pong. Ok, bon, allons plutôt faire un tour du côté des Champs-Élysées pour l'autre soirée. Celle où les gens feraient n'importe quoi pour avoir le jeu. Je sais à quoi vous pensez, bande de bougres, mais les joueurs présents sur les champs n'étaient pas du tout ceux qui ont dérobé les 10 000 exemplaires de code récemment. Ces personnes-là ne sont présentes que pour une seule chose, tenir le jeu entre leurs mains. Ce sont des vrais, eux. Bah, je suis venu parce que bon, voilà, je suis là pour les cadeaux. Pardon ? Là aussi parce que je suis fan de Call of Duty. Ah, quand même. Allez, dites-nous tout. Qu'est-ce que vous en attendez de Modern Warfare 3 ? Bah moi j'ai joué à Black Ops, bon je l'ai revendu pour pouvoir acheter celui-là. Et du coup bah j'attends, en fait moi ce que je préfère c'est plus le jeu en ligne que plutôt la campagne solo. Ah bah on fait que ça hein, du multijoueur hein. J'ai fait le jeu aussi, j'ai quand même fait le jeu le dernier. Mais on fait une fois le jeu et après c'est que du live hein, que du live. Bah que ça change un peu de Black Ops parce que voilà, la nouvelle campagne, le online, voir ce que ça change par rapport au Elite ou pas. La relève de Call of Duty 4 quoi. Parce que pour l'instant, Modern Warfare 2, ça n'a pas fait le poids, Black Ops non plus. Donc on espère que cet opus-là, il sera vraiment bon et que tous les joueurs de Call of Duty 4 ils viendront dessus, ça fera des bons matchs. Vraiment un jeu d'action à fond la forme, faut être honnête. Hein. Et retrouver le Modern Warfare 2 quand même, qui était beaucoup mieux que le Black Ops. J'espère intéressant, en tout cas un peu plus intéressant que Battlefield, qui m'a un peu laissé sur ma faim. Voilà, moi je joue à Battlefield et aussi à Call of Duty, c'est totalement différent. Et je trouve dans Call of Duty ce que je trouve pas dans Battlefield, et j'espère qu'il y aura beaucoup d'action et un très bon mode hardcore, c'est ça que j'attends de Modern Warfare 3. Bon, et au final vous êtes là pour quoi? Bah ce jeu il est sorti là, il faut l'acheter. Bah pour la sortie officielle de Call of Duty, le jeu de l'année quoi. Il y a pas mal de gens qui l'ont déjà. Mais on joue quand même le jeu, on va essayer d'y jouer ce soir, on va pas aller en cours demain matin, on s'en fout, on va geeker toute la nuit, c'est parti. Pour gagner les trucs, parce que le jeu je l'ai déjà. Et tous les ans on vient, on fait au moins 200 bornes pour venir, parce qu'on n'est pas du tout de la région parisienne. On est là pour le nouveau lancement du Call of Duty, et voilà. Et voilà, mais on en oublierait presque que leur temps attendu arrive, et que les portes vont s'ouvrir pour laisser aux joueurs la possibilité d'atteindre leur Graal. Maintenant que vous l'avez en main, vous en pensez quoi? Ça y est, ouais, je l'ai eu, un super coffret, bon, peut-être un peu moins complet que le précédent, mais ça va, il est classe, bien design correct, vraiment magnifique, j'ai hâte d'y jouer ce soir. Et le programme, ça va donner quoi? Ça va être Call of Duty hein, jusqu'à tard la nuit, ensuite les cours et re-Call of Duty jusqu'à tard la nuit. Faire un petit mot d'absence pour demain matin et puis geeker toute la nuit et puis même demain matin quoi. Bah là je vais rentrer, je vais jouer. Solo, réseau, voilà. Demain je suis en repos donc c'est tant bien. Rentrer demain, pouvoir jouer à Modern Warfare 3 direct, voilà. La play elle va brûler je pense. Je vais me faire engueuler mais c'est pas grave, je regrette rien. Allez, bon jeu à tous et on se donne rendez-vous dans quelques jours pour observer les chiffres de vente du rouleau compresseur Call of Duty. 1, 2, 3, fraguez.